pour moi, c'est une image de la vivacité de nos territoires, dans l'Aveyron et puis un petit peu à côté, puisque j'ai entendu qu'il y a aussi des exposants qui viennent du Tarn. Donc voilà, une image de la vivacité, du dynamisme de nos territoires et aussi de la qualité des produits qui sont présentés, de la volonté en fait de nos agriculteurs, de nos producteurs d'aller vers de la qualité, du bien faire. Voilà, c'est une vraie richesse pour nos territoires. Qui repose sur de nombreux bénévoles et ce que je note aussi c'est que toutes les associations sont en capacité de travailler ensemble pour construire des événements d'OTAL tels que la fête de la Châtaigne, si j'ai bien compris c'est ça, 56e ou 57e édition, donc ce même c'est un lieu de rencontre, un lieu de lien social à souligner particulièrement. Alors c'est une fête qui est très agréable, surtout aujourd'hui avec le soleil. C'est une fête qui rayonne sur tout le territoire du Nocellois et de la communauté de communes du Pays Ségalie. Donc c'est une fête qui est importante voilà, et qui permet à tout le monde de se réunir et de passer un bon moment sur votre terre. Bon, et donc qu'est-ce que vous pensez aussi de la sorte de décalage, de mélange des manifestations de ce week-end entre le Rootsav et finalement aujourd'hui une fête plus traditionnelle où on peut voir effectivement des jeunes du festival venir goûter les châtaignes. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Ah oui, c'est une force pour Sauveterre. Enfin, c'est vrai que ça permet une mixité entre les populations et ça c'est très agréable. Ça met du lien et on découvre des nouvelles choses, que ce soit avec le Rootsav ou avec la fête de la châtaigne. Voilà, on arrive à ça crée du lien social et ça c'est important pour notre territoire. Et nous on trouve ça bien, nous on est venus au Rootsav hier, là, dimanche, à la fête de la châtaigne, et puis la truffade, on n'a pas pris les châtaignes encore, mais ça va tarder. Oui, c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui reprennent le relève, mais il en faudrait un peu plus. Parce que les yeux le matin ont du mal à se lever, on change d'heure, et voilà, du coup, c'est pour un ami. Donc qu'est-ce qui motive un jeune comme toi à participer à cette fête? Déjà l'ambiance. Non, c'est super, surtout au Châtaigne. Puis oui, c'est une fête traditionnelle, c'est la 57e édition, je crois. Donc ouais, c'est toujours bien, ça fait un petit peu le passage de l'été à l'hiver. Donc c'est toujours très sympa. Bon, et pour toi, alors, quelle image tu penses que ça renvoie, cette fête traditionnelle? Ouais, une très bonne image, une très bonne image. Il y a toujours énormément de monde, bon là, c'est pas encore tout à fait le cas, mais oui, oui. Mais je trouve que c'est bien, puis ça fait plusieurs années que je suis bénévole, il y en a tous comme une grande famille, et chaque année on se retrouve et on passe une bonne journée. Bon alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé toi en tant que jeune d'intégrer cette association? Parce qu'on donne notre avis et du coup on améliore les choses. Donc c'est une association qui laisse la parole aux jeunes? Oui, on est rentrés deux dans le bureau, et du coup on dit les choses et du coup on arrange. Alors faire la fanfare à la fête de la Châtaigne, ça se passe comment? Oh, ça se passe très 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 bien. On a été très bien accueillis, c'est merveilleux. Nous avons très bien mangé. Voilà. Voilà, voilà. Mon copain Pétou est dans une forme éblouissante. Bon, il faut attaquer. Alors il faut attaquer. Ce n'est plus de la musique, c'est du staccanovisme.